Bonjour à tous. Donc cette nouvelle vidéo, j'attire à moi l'abondance financière. Alors aujourd'hui nous sommes au bord du Mékong. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Donc bien sûr nous sommes toujours au Laos. Le sable, c'est la partie qui est la partie sèche du Mékong, puisqu'actuellement nous sommes pendant la saison sèche, l'été. Ça peut atteindre jusqu'à 50 degrés. On les a pas encore eus. Voilà. Alors, comment j'attire à moi l'abondance financière? Alors, j'ai beaucoup de gens qui me posent souvent les questions. Je suis dans la galère de ceci, de cela. Et voilà. L'abondance financière, pour l'avoir, il faut déjà y croire. Si vous vous mettez dans une position de victime, et de dire voilà, même si à l'instant T vous n'arrivez pas à avoir de l'argent ou à payer vos factures, arrive un moment, il faut changer cette résonance dans votre esprit. Donc nous avons tous des situations difficiles, des épreuves de vie qu'il faut régler, et en les réglant, il faut déjà commencer à être positif. C'est-à-dire qu'à l'instant présent, quand vous vivez cela, il faut que vous changiez la résonance de vos pensées. Donc tout ce qui vous arrive dans la vie, la perte du job, etc., c'est une résilience qui est liée à vos épreuves et aussi au fait de devoir la régler, cette épreuve. Donc pour avoir et gagner de l'argent, il faut déjà commencer à y croire, même si on n'arrive pas à payer ses factures à l'heure actuelle. Donc c'est-à-dire, par exemple, si j'arrive pas à payer mes factures ou je n'ai pas d'argent dans mes poches, il faut que je me dise, j'ai de l'argent, je paye toutes mes factures. Donc, se mettre déjà dans la position du gagnant. Je paye toutes mes factures et c'est facile. Je suis dans l'abondance financière. Et c'est très joyeux. Voilà, par exemple. Voilà. Après, vous trouvez votre formulation à vous qui n'est que du présent et qu'une affirmation positive. À partir de ce moment-là, vous allez changer la réalité de votre vie et vous allez attirer des situations qui vont vous faire vivre cela. Alors vous l'avez vu notamment en moi, par exemple, tout ce que j'ai créé cette année, j'ai pas à hésiter à donner toutes mes affaires en partant de France, à mes enfants notamment et à d'autres personnes, pour pouvoir recréer quelque chose sans savoir où j'allais. Alors voilà. Alors je suis parti avec Van, mais j'étais parti dans une énergie positive, du lâcher prise total. En étant dans un lâcher prise total et en faisant confiance en la vie, vous attirez que des situations qui vont vous faire grandir et qui vous seront faciles. Donc l'abondance financière. Donc à partir de ce moment-là, tout part de vos pensées. La pensée est créatrice. Et votre verbalisation. Donc c'est pour ça que je vous conseille tout de suite de ne faire que du positif, des actions dans votre vie. N'oubliez pas que les actions aussi ont leur importance dans votre vie. Souvent les cartésiens vont dire je critique, je juge cette personne, mais en même temps, ça va résonner en eux et ces blocages vont être dans leur vie. Hein, quand je vais aller déblatérer au chef tout ce que fait l'autre, machin truc, je vais bloquer ma vie aussi. Donc voilà, donc toute action négative de toutes sortes, ça va bloquer votre vie et arriver à un moment, ça va entraîner les maux du corps, vos maux du corps et vos maladies. N'oubliez pas que chaque secteur des maux du corps ou des maladies est en résonance avec vos pensées, vos verbalisations négatives et vos actions que vous aurez envers vous-même et envers les autres. Voilà, donc si vous voulez être dans l'abondance financière, vous allez répéter ces phrases que je vais vous donner. Je vais vous donner quelques conseils et à partir de là, vous le faites chaque matin devant votre glace, notamment où vous allez dans les toilettes quand vous bossez et ça prend 5 à 10 minutes. Hein, ça prend pas plus de temps que d'aller fumer une clope pour les intoxiquer. Et puis voilà. Alors, je vais vous dire voilà. Alors, je mérite l'abondance et la prospérité. Point numéro 1. Je me le répète. 3 fois minimum, et ça tous les jours. C'est facile pour moi de faire de l'argent. J'ai de l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je mérite d'abord de bonnes choses dans ma vie. Je veux gagner, par exemple, 50 000 euros par mois. Voilà. Remplacez le champ par le montant de votre choix. Tout l'argent que je dépense me rend heureux.
Je vis dans l'abondance de l'univers, j'ai toujours tout ce dont j'ai besoin. Je crée de l'argent et de l'abondance avec joie et amour. Je suis un aimant à argent, prospérité et abondance. Je suis créateur de mon propre succès. L'argent vient à moi librement et facilement et multiplie les sources de revenus. J'attire toutes les choses que je désire dans ma vie. Je vis une vie heureuse et abondante. Je libère toutes mes pensées manque et focalise sur ce que j'ai. Avoir de l'argent me fait sentir tellement bien. J'accepte l'abondance et elle vient à moi maintenant. J'apprécie mon temps et mon énergie. Je suis le succès. Je m'autorise à moi-même de le ressentir le succès. L'argent est une énergie qui attend ma commande pour arriver en masse dans ma vie. Alors voilà. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces affirmations dans l'ordre pour attirer ce que vous voulez. Utilisez les affirmations à propos de l'argent pour vous sentir bien et répétez chaque jour pour en fait payer toutes vos factures. Vous pouvez aussi le placer sur votre tableau de vision, donc tous les matins, frigo, etc., glace pour aller vous coiffer. Quand vous utilisez les affirmations sur l'abondance, pas sur les factures ou pour les dettes, agissez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez des difficultés financières, mettez-vous déjà dans la peau du gagnant, celui qui a gagné, qui l'a déjà. Hein, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal avec les lois d'attraction, c'est de croire en ce qu'ils disent. Alors on me dit, mais comment je peux faire? J'ai pas d'argent, mais comment je me répète? Mais c'est mentir ça. Non, 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 c'est pas mentir, c'est te mettre en résonance avec ce que tu veux pour pouvoir l'attirer. D'accord? Donc après, si vous pouvez mettre en plus la visualisation, donc vous répétez ces phrases par exemple et vous fermez les yeux, vous voyez par exemple payer les factures, acheter ceci, acheter une voiture, acheter une maison, acheter tout ce qui vous plaira. À partir de ce moment-là, vous vous mettez déjà dans la peau du vainqueur. Donc vous faites une pièce de théâtre à l'instant présent, même si à l'instant T elle est imaginaire, elle deviendra créatrice dans votre vie. Ça, vous pouvez tout ceci le mettre après dans votre vie, par exemple affective ou amicale, pour pouvoir attirer chez les amis ou d'autres relations qui vous plairont. Voilà, donc, et ça, dans tous les sujets de votre vie, vous pouvez le mettre. Hein. Moi, je l'ai vu il y a quelques années, j'ai mis l'intention que je faisais des formations à l'international et maintenant ça se concrétise. On vient m'appeler pour faire des formations dans des palaces, donc en énergétique, etc. En formation, en enseignement énergétique, dans des palaces en Thaïlande et en Amérique centrale. Donc voilà. J'ai plus le nom exact. Chérie, c'est quoi l'Amérique centrale, le pays là ? Costa Rica. Ah oui, au Costa Rica. Voilà, donc pour aller faire des formations là-bas. Donc vous voyez, donc la pensée est créatrice. Attention, elle est aussi créatrice dans l'autre sens, donc dans le négatif. Donc faites attention aux pensées que vous allez générer en fait dans votre vie. C'est hyper important de bien penser qu'au positif, parce que sinon vous allez vous réattirer en fait des galères dans votre vie. Voilà, je sais que c'est pas facile, nous en sommes tous passés par là, mais n'oubliez pas que moi j'étais aussi comme vous avant, j'avais beaucoup de choses qui bloquaient avec mon ex-femme notamment, j'avais pas d'argent, voilà, maintenant je suis dans l'abondance, donc je vous donne ces quelques recettes qui ont bien marché pour moi, qui ont marché pour tous ceux que j'accompagne en coaching, en psychothérapie spirituelle, et qui a créé en fait beaucoup d'abondance dans votre vie. Voilà, n'oubliez pas que moi j'étais aussi un tout petit fonctionnaire à l'origine et maintenant je suis devenu coach international. Donc voyez donc la création. Et ce que je suis devenu, vous pouvez aussi le devenir. Voilà. Cette vidéo est terminée. Van, t'as rien d'autre à rajouter, non ? C'est beau, t'avais tout raconté. Voilà. Je vous remercie et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Vous retrouverez en fait tous les renseignements pour pouvoir me joindre sous cette vidéo.